Ensuite, capture de jeu, propriété, factory. Et là, tu fais le taf. D'accord que c'est sur factory. Oui. Ok. Alors, ça charge. Là. Synthèse factory. Voudrais-tu bien apparaître? Apparemment, c'est bon. Yes! Tout bon! Tout bon, tout bon, tout bon! Alors, hop! Alors, on va mettre les invitations où il faut. Hop! La miniature, elle est où? Là! Deux petites secondes, tant que je mette tout ce qu'il faut. Voilà, je mets ici. Alors, je crois que je me suis raté quelque part. Alors, Satisfactory. Ok. Ici, nous sommes sur Satisfactory. Ça, non. Ça. ok. Là, ici, j'ai raté un truc. Ouais. On se dépêche. Ici c'est bon. Et je vais rajouter sur Discord. Si vous avez entendu, désolé. C'est où? Là. Upload. En espérant que la connexion ne me fasse pas de la merde entre temps. Voilà. Tout est mis, tout est marqué. Vous êtes les bienvenus pour discuter. Bonjour. Ah, oh, t'écris, oui. Bonjour. Ah, non. Bonjour à toutes et tous. Parce que bien évidemment, on passe les demoiselles avant tout le monde. faites un petit kiki. Ça fait. Non, non, fais ça. Fais toujours. Plaisir. Wali, walou. Voilà, je crois que je me suis pas raté. Tout le monde est prévenu, tout le monde est mis au courant. Je crois que j'ai plus qu'à attendre que vous arriviez. Et je vais pas de suite dans lancer le jeu. On a encore 5 minutes devant nous. Avant de commencer. On a encore 5 minutes devant nous. Avant de commencer. On a encore 5 minutes devant nous. Il y a un petit bruit derrière, il va falloir quand même que je le supprime à un moment donné. Donc le jeu pour le moment, je le mets de côté. J'ai mon portable à dispo. Donc, de pouvoir suivre le chat en même temps. Je me connecte.
Voilà, qu'on est côté. Et. Attends, j'ai été surpris par un. Pendant 3600. Quoi? Gadi, botting, spamming. Raison, bot, scamming, spamming, spam ban. Ok. Quelqu'un était ban, ok. Ok. Je crois pas que j'avais donné de modération là-dessus. Dans tous les cas. Je pense pas faire une rediff YouTube dans l'immédiat. Donc, bah, j'imagine que ça devait être une publicité, parce que je vois spam. J'ai absolument pas eu le temps de voir le message. On va vérifier ça. Alors, studio vidéo, gestionnaire de Steam, stream. Et là, je le vois pas le message. Donc, en fait. Je pourrais même pas dire si le message était apparu et va apparaître parce que je le vois pas. Bon, bah, désolé pour celui qui s'est fait ban. C'est que tu as dû faire quelque chose qui est déjà trop grave pour le Wizbot alors qu'il est au minimum de la punition. Donc ça devait être déjà quelque chose d'assez grave. Oui, je voulais voir un truc. Est-ce qu'on peut pas avoir un petit peu de. Ouais, il y a un audio. Musique libre de Twitch, ok. On va pas le mettre trop fort. Voilà. Histoire que ça anime un petit peu l'ambiance. Bien évidemment, il y a une pub directement. Comme ça, c'est encore plus marrant. Bon. Encore 5 minutes, après on démarre. Enfin, un peu moins de 5 minutes. On va faire en sorte que ce soit propre. On va avancer, peut-être pas forcément au prochain palier, mais augmenter la productivité de l'installation. J'ai débloqué le deuxième, enfin le troisième et quatrième jalon. Donc là, dans l'immédiat, c'est de débloquer chaque jalon. J'ai débloqué la technologie du charbon. Donc, dans l'idée, ce serait justement de mettre en place un réseau. On va baisser le son de la musique. Voilà. Appliquer. Ok. Et on revient. Comme ça, c'est la musique qu'on entend et pas de YouTube et pas la musique du jeu. En théorie, elle devrait être. Problématique. Oui, donc dans l'idée, ce serait de faire un réseau de électrique en partant de ce charbon. En sachant que moi de mon côté, je ne connais pas du tout, je ne suis jamais allé au-delà du bio carburant. Donc en fait, là, dans l'immédiat, ça va être de comprendre comment ça fonctionne, de créer un réseau qui fonctionne aussi. Si c'est faisable, le faire sur place. J'aimerais bien, s'il y a une zone d'eau pas loin des divers filons de charbon, j'aimerais bien faire travailler tout ça là-bas. Et ensuite tirer juste le câble électrique jusqu'à mon réseau. J'ai vu qu'il y avait quelques véhicules, donc pourquoi pas mettre en place ces 10 véhicules.
J'ai vu qu'il y avait des grues qui automatisaient certaines choses. Donc, bah, on va démarrer. Hein, il est bientôt 30 et 28. Donc, dans l'un des prochains jalons, en tout cas, voilà, on a le quatrième et le troisième. Donc, quatrième, on a quoi? Foreuse niveau 2, on n'y est pas encore. J'ai ça que j'ai pas encore appris. Le corps à corps avec ceci. Les hypertubes, ça doit être un système de déplacement. Mais ça, j'ai toujours pas. Donc, c'est pas utile. Le MK3, on va faire 100. Hein? Donc là, dans l'immédiat, ce serait tout ça. En sachant que je vais avoir de l'acier. Le lingot d'acier va sûrement demander son fabriqué à partir de minerais de fer fondu avec du charbon. Ça voudra dire qu'il faudra que je tire du charbon jusqu'ici. Donc en fait, ouais, non, mon réseau, faudra que mon charbon, faudra qu'il arrive jusqu'ici. Gare routière. Donc, en fait, c'est envoi. On reçoit des véhicules. Ouais, 2 minutes. J'arrive. En journée, il y a du passage, donc ça fait du bruit. Alors, non, après je suis là, je suis en live. Alors, peut-être automatisé. Donc celui-ci, je pense qu'il va me servir essentiellement pour aller chercher du charbon. Je pense que ça devrait aller plus vite quand même que les convoyeurs, j'imagine, par les pionniers de fixiste. Parce qu'il est plutôt frais, ce gros machin. Ouais, on verra, on essaiera ça. Là, pour le moment, pour que l'acier, le géant de l'acier me serve à quelque chose, il va me falloir exploiter du charbon. Donc la priorité, c'est de faire en sorte que je puisse l'exploiter. Pour pouvoir l'exploiter, il va me falloir quelques foreuses. Je pense pas avoir besoin de ça, mais je sais même pas si c'est à usage unique en fait, c'est un truc. Pour ceux qui disent oui, bah oui. C'est usage unique. Ça, je suis d'accord. Mais on a des jeux comme dans certains. Enfin, là, comme ça, je pourrais pas me donner le nom parce que ça me revient pas. Où le parachute se range automatiquement et se réutilise directement après. Donc, c'est pas faisable. La logique d'un jeu peut être mise sur un autre. Là, je reprends un peu de béton. Alors, voilà. Je suis en train de légèrement faire le réseau. Bon, c'est pas encore au point, évidemment. J'ai tiré des fondations jusque là-bas. Ça fait une sacrée distance. L'intérêt de m'y intéresser, de voir aussi loin, c'est que j'ai pas besoin de m'intéresser au reste. Ça travaille tout seul de son côté.
Je stocke des ressources du craft assez long à fabriquer. Comme ici. Comme là-haut. Juste ça, je crois qu'il m'en faut 500 pour le prochain envoi à l'ascenseur. Donc ça peut être coûteux. Quand je t'ai installé, ça passait, hein. Donc on va essayer autrement. Deux petites secondes. J'ai une petite invitation à envoyer en plus. Je viens d'y penser. Hop là, bien évidemment, je fais le con. Copier. Voilà. Alors ici. Et nope. Pourquoi ça me met Planet Zoo? J'ai un lien qui dit que je vais streamer sur Planet Zoo alors que c'est bon. Désolé. On est reparti. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est là où ça pose problème. Normalement, je devais pas tomber comme ça. Peux faire les réglages avec? Non. Voilà. Ensuite, l'objectif. Tiens, il y a une image là-haut. Alors, le live durera pas plus d'une heure et demie, hein, max. On continue. Il va falloir aller chercher le charbon. Je sais qu'il y en a par là-bas. Donc, le charbon, tac. Il y en a un là-bas. J'en ai vu un par là-bas. Et je crois que j'en ai un autre là-bas. Là, là et là. Donc, ils sont pas très loin les uns des autres, de ce que je comprends. Donc, s'il y en a quand même pas mal, peut-être centraliser les trois. Et faire suivre le chemin que je suis en train de créer pour moi. Et ensuite en stocker une partie pour l'acier. Éventuellement là de ce qui va suivre derrière. Déjà, je suis pas satisfait du fait que j'ai un rocher sur le chemin. J'ai peur que si j'ai le tracteur, ils se prennent le rocher à chaque fois. Si j'arrive à l'automatiser, bien évidemment. Alors, on va continuer à monter tout ça. D'accord. Ah! Oh, faut pas tomber. Voilà. Alors là, le petit jeu, ça va être de faire en sorte que ça monte jusqu'en haut. Ça me coûte pas non plus un bras. Comme ça, une fois que c'est posé, j'ai plus besoin de revenir en arrière. Je commence à faire ça jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais manqué de scier de béton. Donc, faut pas manquer. On va faire au mieux. Au plus propre. Ça, je le supprime. Sans qu'il reste là. Alors, dans l'idée, là, on voit que j'ai une zone d'irradié. Je peux pas y aller. Pas dans l'immédiat. Donc, ce serait d'arriver là. Donc. Voilà. Ça, les fondations ne coûtent pas bien cher en soi. Voilà. Bon, de ce que je comprends, je peux pas arriver pile-poil comme ça, donc on va faire un espèce d'escalier. Voilà. Ici, hop, tourne là. Donne de l'inclinaison histoire de grimper plus vite.
ensuite. Voilà. On continue. Ça commence à être long. C'est une sacrée hauteur. Hein. Je fais une connerie, je suis mort. Faut remonter haut pour tout récupérer. Ça serait chiant. Du coup. Parce que j'ai peur que si je vais dans ce sens-là, je rentre quand même dans la zone d'irradiation. Par là-bas, c'est mort. Ça ferait bizarre. Déjà là, ce que je fais, c'est bizarre. Aucune fondation en dessous pour soutenir ce truc. Personnellement, ça me choque un petit peu. Bon. Enfin, je suis pas. Ils ont peut-être des contraintes où ils disent on va peut-être. Le jeu est déjà chiant, alors on va pas proposer de réalisme en plus. Voilà. Et on continue. And this, see the street. Alors. On va faire un colimaçon. Pas d'intérêt de se faire. Tac, tac. Voilà. Voilà. Apparemment, j'arriverai quasiment pile poil là-bas. Ah, c'est bon, j'ai pas fait de boulette côté son. Donc, on continue. Tranquillement, mais sûrement. Objectif, charbon. C'est chiant. Il faut. Donc. Ça, c'est la maison. De la maison, on arrive là. Donc ça c'est le hub. On se retrouve sur le toit, on marche ici, on monte tout là et on grimpe jusque là. Donc ça va être. Qu'il y a encore des. Ouais, il y a de la radiation là-bas encore. Désolé, je vais couper pendant.
Désolé pour l'absence. Alors, je vais essayer de supprimer tout ce que je peux. Je suis arrivé jusqu'en haut, mais en fait, c'était complètement de la merde ce que j'ai fait. C'est un sacré détour pour faire une descente comme celle-là. Personnellement, après, moi, ça me dérange que ça flotte comme ça. Donc on va descendre, donc on va dans ce sens là c'est quand même assez impressionnant la distance de construction qu'on a le droit, qu'on a quand même. Donc ensuite on prend la rampe et voilà, on tourne la pièce. Ensuite. Non, retire-toi de là. On va éviter de se tuer. Encore. Et si ça descend comme ça, ça devrait arriver jusque là-bas. Mais ça fait un peu trop raide comme. Donc, on va commencer à descendre par là peut-être. On va faire en sorte que ce soit quand même pas la pente de la mort qui tue. Voilà, ça y est, j'ai tout rejoint. Du coup, moi je me retrouve comme un couillon du mauvais côté. Voilà. Alors, du coup, toi, t'es pas dans le bon sens. Ici. Toi, ici. Ici. Tourne. Par là. Ah oui, non mais j'ai vraiment pas du tout la bonne. Donc ça saute. Ça aussi. Là, je suis légèrement trop. Et pourquoi pas faire un colimaçon pour redescendre comme ça. Why not? Ah mais là faut pas oublier que j'ai des convoyeurs qui vont descendre de là-haut. Faut que ce soit propre. Faut pas non plus que je m'approche trop près de cette zone de merde. Bon ça je supprime, il n'y en a plus besoin. On va éviter de supprimer ce que j'ai sous les pattes. Hein, on va éviter de se suicider. D'accord. Alors, allez, décidément, encore une fois, la chute mortelle. Alors, dans l'idée, je commence à faire le chemin et après, je vais faire de suite. Un début de tirage de câble. Et après je verrai. Aïe. J'imagine pas l'état de la gueule du gars qui se sent plafonne contre le plafond. Et bien sûr, moi je me rate. Non, toi il va falloir que je t'envoie. Faut que tu bouges. Lui ça va, pas l'autre. Youhou. Voilà. Transport. Tremplin. Et on avance. On va mettre quelques fondations. Voilà, non. Ah, et j'ai plus de béton. Voilà pourquoi ça voulait pas tout à l'heure. Et on va éviter de mourir à nouveau pour rien. Faut pas oublier que l'inventaire a une durée de vie. Ouais, c'est peut-être pas la prio. On va aller chercher d'abord le matos et après on verra. Parce
Quand on ressuscite, on n'a pas énormément de vie, comme on peut voir en bas à droite, à gauche, pardon. Je dois avoir un seul cube de vie. J'ai quand même un inventaire à récupérer. Je crois qu'il y a une grosse bébête à côté de cet inventaire. On va peut-être éviter de mourir en boucle. La durée de vie de l'inventaire est quand même pas non plus très longue. J'ai fait le test, j'ai perdu tout un inventaire de tout et n'importe quoi en compo. Parce que j'ai fait le con. Donc, me suis retrouvé au milieu de 3-4 bestioles bien agressives qui aiment bien me bouffer. Du coup. Hop là. J'ai plus de béton, c'est peut-être aussi parce que je suis mort et que mon inventaire il était pas avec moi. Pas l'oublier celle-là. Alors, côté béton, j'en suis où? C'est bon, je suis large. Alors, on va prendre ça. Voilà. J'ai oublié que j'avais ça. Alors, ralentis votre chute lorsqu'il est activé en plein air. Atelier d'équipement, mais je l'active comment? J'ai aucune idée de comment ça marche. Alors ça va descendre comme ça. Pardon. Ah, t'es dans le bon sens, t'es pas dans le bon sens, et je crois même que je suis pas sur le bon carré. Contrôle, tout ça je le supprime. Ça fait économiser du béton quand même. On va rien de tout démonter. Toi tu sautes. Voilà, on continue la petite rampe. Le petit colimaçon. De bien se faire la petite rampe. Voilà, si je peux arriver au moins jusqu'à ce réseau là, ce serait bien. Shit. Et voilà. Bon, je suis dessus. Faut juste que ça, je le supprime parce que bah, bien évidemment, ça va plus. Donc, F, contrôle, et on balaye pour tout supprimer. On valide la suppression et voilà. Ensuite, si je me souviens qu'il y avait une électrode de limace, donc il va falloir que je surveille. Alors là, je peux me souvenir. Pardon. On va éviter de mourir. Encore. J'ai l'impression que j'ai fait de la merde. Merde, merde, merde. Ça là. Non. J'ai fait de la connerie. Encore. En plus de se suicider, je fais des trucs en double, en triple et en quadruple. Donc on va te mettre plutôt par là. Ça on rejoint ici. Donc on va faire en sorte que je puisse atteindre là-haut. Donc. Et on va éviter de se suicider. Ce serait bien. Voilà.
Je sais même pas si les problèmes de terrain peuvent poser problème à. Le terrain accidenté peut poser problème à la programmation du tracteur. Du coup, je sais même pas à quel point je peux anticiper ce que je vais faire. Donc, on va essayer de. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Du coup, lui, avec un petit contrôle. Petit contrôle. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Tu dégages. Bon, au final, hein, on s'en fout de ce que soit logique ou pas. Ça saute. Ça, je me tâte très bien à mettre. Là, du coup, je voudrais que ça là se raccorde à là. En espérant que le tracteur ne fasse jamais un petit des familles. On va essayer de raccorder aussi le câble qui est là-haut à un câble ici. Donc de là à de là. Non. Beaucoup trop loin. Donc, je suis obligé de monter. Ça reste quand même assez long. Le moindre projet que demande énormément de préparation. Ah merde. Et vu que je n'arrive pas à anticiper ce que faut que je fasse, je fais des carrés comme ceci. Sans compter celle qui me suffit. Du coup, là ça descend. Là, je peux mettre ma rampe. L'avantage de ça, de préparer un petit peu la zone, enfin le réseau électrique, c'est que j'ai pas à refaire chemin. Une fois qu'il est fait, il est fait. Faire au mieux quand même, mine de rien. Ça permet ensuite de tirer aussi pour ailleurs. Bon. Ceci est parti. Yeah. Il est où? Là. Voilà. Du coup, je sais que j'ai un réseau électrique qui va depuis le début de cette structure. Bonsoir Zenma TVPN. Merci pour le follow Zen. Comment tu vas? Un follow, mais tu n'es pas là, d'accord. Bon, ben dans tous les cas, merci beaucoup pour le follow. T'es le bienvenu pour les streams. Hein. On a un Discord ambiancé Nymphinsonalbuck, donc l'auberge, plus ou moins. On aime bien la déconne, on aime bien dire des conneries. On se pose pas de questions de la bienséance des choses. Donc, on a quand même un channel 18+, pour garder un minimum de propreté envers les petits jeunes. Mais non, ensemble, on se pose pas de questions. Si tu veux nous rejoindre, tu peux. J'ai un bon ami en bas. Oh putain, va falloir que je fasse gaffe.
Ensuite, toi. Voilà. Voilà. Et. Si je fais ça, il doit être là. Et donc, on va écarter un petit peu tout ça. Voilà. Alors, je sais qu'ici, on m'a expliqué que les électrolimaces réapparaissaient à chaque fois au même endroit. Du coup, je laisse cet endroit plus ou moins propre. J'ai juste utilisé pour descendre jusqu'ici. Parce qu'il y en avait une ici. Là où je pointe, il y en avait une. Donc je pense que bah, si ça se vérifie, j'aurai toujours un électro là et bah, de quoi anticiper dès qu'il y en aura besoin. On va poser l'antipilier ici. On va en mettre un petit là aussi. Parce que le câble qui traverse traverse les fondations, je suis pas trop chaud. Voilà. Maintenant, ça a plus qu'à aller se raccorder au réseau qui est là-bas. Ça, je le ferai une fois que je suis en bas. Donc, faut se dire que tout ça va connaître un convoyeur qui va descendre jusqu'en bas ou un tracteur. Je serai chaud pour un tracteur, mais je saurais pas si il descendrait tout ça efficacement. Et puis bah, s'il arrive à avoir suffisamment de charbon pour que j'en fasse ce que j'en ai besoin. Pardon, petite soif. Donc on verra. Je pense qu'on va adapter au fur et à mesure de ce que je vais débloquer aussi. Je vais pas trop m'avancer parce que ce serait con. Gâchis de ressources, gâchis de temps, ce serait pas logique. Donc, je refais un petit bip-bip. De mémoire, il y a du charbon par là-bas. À 400-500 mètres. Voilà, 500 mètres. Il y en a un autre qui est là-bas. Donc j'imagine que c'est pas loin de l'eau. Je pense qu'au niveau de l'étang qui est là-bas. Ah, franchement ici c'est. Ils ont fait une belle map hein, quand même. Bon plus bas c'est un peu triste ou net parce que c'est quand même assez vert. Assez pardon. Désertique plutôt. Et puis on monte, plus ça devient vert, plus ça devient agréable. Donc on a dit par là-bas. Faut que j'évite ici parce qu'il y a quand même des radiations qui sont quand même assez fatales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer directement du câble de manière à ce que j'en ai direct. Comme ça, après, j'aurai pas besoin de refaire le chemin avec. J'aurai juste à suivre le câble pour mettre mes convoyeurs. Je saurai jusqu'où faut que j'aille. Voilà. Allez. Je te vois là, t'es là. Ah, merci. Alors, le charbon, le charbon, le charbon. Alors ça, je crois que c'est un espèce de cristal. Sympa ici aussi. Franchement, pour le réseau, parce qu'il faut du, apparemment, il faut de l'eau pour le charbon, pour refroidir le système. C'est pas ce qui va manquer ici. Hein. Donc, pour moi, le charbon, il serait là. Par là-bas. Ok. J'ai quand même pas mal de filons de charbon autour, donc je devrais pas manquer si j'exploite correctement le terrain.
Et là, je me dis que le tracteur, ça reste des chevaux, mais ça va être limite moins coûteux que le transport en convoyeur, je pense. Ça coûte combien un tracteur? Merde, je l'ai pas encore débloqué, je pourrais pas dire. Alors, on va mettre ça là et on avance. Et oui, je crains un pont qui flotte dans l'air. Parce que c'est le futur. Le béton du futur, il n'a pas besoin de se poser de questions. Donc, on ne se pose pas de questions, on pose. Alors ici. Toi là-bas. Allez. Là. Alors, ensuite. Là, j'ai une électrolimace. D'accord, c'est par là. 200 mètres. Donc ça serait... Je vois le ping qui est là-bas. Ah! Ah, ouf. Je vais encore mourir pour une connerie de connerie. Non, on va éviter. Non, 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 non. T'es pas mon copain, donc tu me laisses tranquille. Arrête de m'agresser. On me laisse tranquille, je suis gentil. Je sais même pas si j'arriverai à remonter là-haut. Histoire de me mettre un petit peu en sécurité. Lâche-moi. Je suis pas ton pote, je suis pas ton ennemi. Lâche-moi. Voilà, comme ça il peut pas venir. Et c'est quoi cet enfer? Bon, c'est là-bas. Hein. Ouais, c'est là-bas. Non. Je me fatigue. Donc. J'ai mis un pont avec un gros rocher ici. Ok. Je suis logique. Hein. Donc. On va donner un petit peu de hauteur à ce pont. Hop là. Non. T'as pas envie. Pourquoi je marche de travers? Ok. Alors, on va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper les besoins pour le convoyeur. On va donner un peu de hauteur. J'avoue que marcher... Il y a un gros rocher quand même sur le chemin. Donc non. Ça va pas le faire. Donc ça là, le premier pont va sauter. Ne me dérange plus, je suis au-dessus de lui. Pour ceux qui se disent, il est en train de tout aménager, même la nature. Ouais, éclat de tour. Non, contrôle. Voilà, lui par contre, flotte dans l'air. On va revoir ça. Encore une fois, je ne sais absolument pas comment fonctionne le réseau charbon. C'est peut-être un réseau qui est encore plus chiant à faire que ça. Peut-être pas un bon plan de tout ramener jusqu'à la base. Dans l'idée, je pense que le coin générateur à charbon, donc je crois que c'est comme ça, ouais, générateur à charbon, je le mettrai sur une plateforme que je mettrai au-dessus du lac qui est juste à côté de l'usine. Donc je mettrai bah en gros je cacherai une bonne partie du lac par des fondations. C'est moche, je le conçois,
Dans le jeu, on a besoin de faire ce genre de structure, sinon ça ne marche pas. Comme je dis souvent, dans le jeu, on arrive sur une nouvelle planète, toute neuve, toute belle. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on lui fait? Ben, on la pollue. On a toujours pas compris qu'il fallait peut-être prendre soin de là où on habite. Mais bon. Quand c'est dans un jeu, ça passe. Ouais. Ensuite, un petit poteau. Copain, copain. Voilà. Alors, est-ce que... Alors, ce que j'écoute là, c'est une playlist de Steam pour les lives. C'est pas la musique du jeu. Je t'ai dit que pour changer un petit peu, mettre un peu d'ambiance. Donc je ne prévois pas de rediff cette vidéo, enfin cette partie là. Je vois les fleurs. Ensuite. Non non, tu me lâches, tu me. T'es nul hein. Si je me mets plus loin, je sens que je vais me taper encore des... Attends, ça vole dans l'air ce truc? Déjà en voiture, c'est là. C'est même au... je l'ai devant moi là en fait. Donc... Non. On va faire gaffe. J'ai des radiations qui se passent. Tac. Donc on va reculer un petit peu la structure pour éviter de prendre des radiations même par accident. Voilà. Ensuite, mine de rien, il y a l'autre abruti là qui reste de me tirer dessus à nouveau. Donc faut quand même y faire gaffe. C'est quoi qui me donne encore des radiations? C'est lui, non? C'est quoi? C'est où? D'où ça vient? Ça vient de là-bas. Tu vas pas me dire que je peux pas exploiter le charbon ici parce que je suis dans une zone irradiée. Ah si. Apparemment si. Complètement con. Apparemment, par là ça passe. Fasse gaffe avec ça. Essayer de s'adapter. Oh, là c'est bon. Là c'est plus bon. Qu'on arrive à comprendre le truc. Donc ça saute. L'arbre, il va sauter. Nique la nature. Donc, pour moi, le filon est là. Donc, production, on va essayer de faire ça vite. Voilà. Voilà, comme ça, on va éviter de mourir des radias. Non, 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 non. Dégage. Vite. 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 Et on me lâche les gars. On me lâche. Je suis l'ami de la nature. Je vous aime les gars. Bon, les petites couilles qui volent là, c'est quand même bizarre, mais je vous aime quand même. Allez. Non. 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 Attends.
essayer de se blinder de baies, des noix. Ah. Dans la nature, manger des noix, c'est bon pour c'est bon. Aïe. Coulombulante, tu vas. C'est bon? Je me fais plus harceler par des couilles? Allez, on y retourne. Alors, on va mettre ça. Une chiotte mignonne rampe. Ah, oh, ça vient de là-bas. Quand on est en mode panique, voilà. Bah, quand je suis en mode panique, des fois je fais des conneries. J'ai bien dit des fois. Histoire d'être sûr, j'en remets toujours 3. C'est au cas où je trouve un filon de fer, de cuivre, que sais-je encore. Ça me permet de d'empiler les convoyeurs pour chacune de ces ressources. Il faudra quand même que je fasse gaffe que mine de rien, c'est une zone irradiée avec des radiations. Je sais pas si irradié au tout court ou c'est genre la fleur qui est là qui me provoque ces radiations. Là, ce sera pas la même. Voilà. Ici. Là-bas. Et dis-moi pas que c'est trop loin. Si? Oh non. Oh. Chiant. Alors, toi, là, toi, là, ensuite, toi, là-bas, comme ça, déjà lui de son côté, il va me farmer du charbon. Je sais absolument pas si c'est du bon filon, hein. Honnêtement là, je suis ici en mode, j'essaie de rester en vie. Ensuite, logistique, on rajoute des pylônes assez haut. Encore une fois, c'est pour anticiper les futurs transports. Pas besoin de MK2 pour faire du transport de ressources brutes. Pas à mes yeux en tout cas. C'est plutôt une fois que ça arrivait que faut que ce soit vite traité pour que la suite soit utilisée de suite. Pour le moment, le traitement des ressources est quand même assez rapide, je trouve. Du minerai, pardon. Parce que la ressource en soi, c'est une putain de purge. Non. Il y a 3 mètres entre les deux. Fais-moi pas chier. Bon, convoyeur, ici. Voilà. Alors, lui, ici. Ensuite, je sais que mon convoyeur, ma base est là. Mais je peux pas aller par là parce que j'ai des radiations. Donc, on va suivre le câble qui va là, je sais que je suis tranquille. Comme ça, encore une fois, 3 par 3. Si au moins je pouvais enregistrer un plan ou un truc comme ça, c'est juste le 3 par 3, je pourrais le recoller ailleurs. C'est pratique ça. Hop. Voilà. Et après, on arrive sur mon fameux. Ma fameuse rampe. Donc,
2, 3. Toi. Là. Ah. Pourquoi? Ça, c'est chiant. Je le concède sans problème. C'est chiant. Quoi ces distances de construction pour les convoyeurs? Bon, je comprendrais si ça serait fait, ça ferait une borne, mais quand même. Y a aucun problème pour des fondations qui flottent, mais des convoyeurs qui flottent légèrement aussi. Alors, pas besoin de faire passer tous les convoyeurs sur le chemin, il y a juste besoin de le faire descendre. Alors, le point de départ est de là, ça va là. C'est encore trop court. Alors, contrôle. On sélectionne ces trois-là. On supprime. Ensuite, on prend le pylône. Ou voire même, si je resterai cliqué, en train de cliquer, je pourrais poser les plusieurs à la fois. Mais c'est pas faisable. Là aussi, c'est pas logique. Bon, après, de ce que j'ai compris, il y a un mode pour le faire. Il devrait pas y avoir besoin d'un mode pour le faire. La logique de destruction en masse devrait être aussi la même pour la construction en masse. Alors, du coup, on sait que la maison elle est là-bas. Et que on ne peut pas descendre tout d'un coup parce que, bah, mine de rien, un peu brutal. Donc, toi, ici. Ensuite, il faut aller là-bas. Donc on va essayer de suivre un petit peu quand même le réseau, parce que mine de rien on va éviter de se suicider à nouveau. Ça fait quand même deux morts en moins de 20 minutes. Alors mon charbon devrait pas tarder à arriver. Ouais, je crois que je le vois là. Donc on va essayer de quand même de rester aligné. Voilà. Allez. Une fois j'ai un peu de mal là. Toi là. Non. Y a des fois, je comprends pas. Surtout qu'au final, si je veux descendre assez vite les ressources, il va me falloir des piliers de convoyeurs comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci. Je pense que si j'arrive ici, non, ça va être super long. C'est quoi ça? Ok, j'ai un pied. Ok. Alors, je crois que je vais pas avoir le choix, hein. Ça va suivre pour le moment le réseau. Merci. C'est la partie chiante. Mais quand ça marche, on est content. Vous voyez? Juste là, je me tape les radiations de cette merde. Si je voulais être prudent, je mettrais plus les fondations là. Mais c'est bon, j'en ai fait. Je sais plus à combien de tonnes de ciment j'en suis là. Le béton. Un ciment, c'est des habitudes de Arc. Désolé. Alors, ici, normalement ça devrait être bon. Hop. Hop. Ensuite, toi. Non, c'est trop long.
Donc, on va te mettre là. Toi. Ah. Toi. Faut que je fasse gaffe quand même. Toi. Maintenant, je pense que si je l'emmène là et après je le fais descendre, ça devrait être bon. Par là, par exemple, on va faire gaffe. Enfin, je vais faire gaffe. Pourquoi on, je sais pas. Ouais, j'ai plus de plaques. Ah, j'ai plus de plaques. Pourquoi? Ah. Du coup, il faut que je descende. C'est long. Bon bah. On va mettre un peu d'éclairage, mine de rien, histoire d'y voir quelque chose. On va éviter de sauter, hein. Ce serait con de se suicider pour rentrer le plus vite possible. C'est pas utile. Je pense pas en tout cas. Par contre, je pense que pour descendre le plus vite possible, je mettrai quand même un truc pour me réceptionner en bas. J'imagine que le tracteur est extrêmement lent aussi. Plus rapide que moi, j'imagine quand même. Oui. Et tu te pètes une jambe. Comment ça a pu avoir à bouffer là? Enfin, a pu. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ah non, je me fous pas de ta gueule. C'est quoi ça? Hop. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas faire des carrés de culture qui nous permettraient justement de consommer des baies en boucle. Vu qu'on pourrait les faire pousser. Petite question pour ceux qui connaissent. Est-ce que ce serait pas plus intelligent de stocker du... Donc, par exemple ici, les plaques. Et les relancer directement automatiquement dans les autres réseaux. Parce que j'ai l'impression de produire plus de plaques que ce que je consomme. Genre, je la remplis, j'arrête pas de la remplir cette connerie. Par contre, côté vis, ça va, je suis content, ça rentre bien. J'ai ça. Non, bah non, c'est con en fait. J'en ai un qui me produit seulement des plaques et qui ne fait que sortir des plaques. Alors, ouais. Écoute, on va mettre. C'est pas comme si je manquais. On va récupérer ce que j'ai là. Voilà. C'est bien ça, ça met automatiquement ce que j'ai mis dedans. Sinon, ici les feuilles, ici le bois, et ici, on va trier, c'est bon. Donc mine de rien, mon petit réseau de merde de biocarburant-combustible est quand même assez efficace. Donc on va, je pense que ouais, le charbon ça va être un bon coup de main, mais ce sera à quelque chose quand même qui permet d'encaisser le besoin. Merde, désolé, petite mauvaise manip. Par contre, 200 biocarburants qui partent à chaque fois, ouf. Laïa, ouais, non, il n'y a pas là.
peu pour mon usage perso. Alors ici, hein, on est d'accord. Là c'est bon. Donc là du coup, ça tourne. Alors je viens de voir qu'il fallait des bio combustible. Ouais, mais je travaille déjà tout moi. Là. Il m'en faudrait 100. Mais j'en ai besoin absolument pour le carbu. Frère. Je viens de me dire, je viens de réfléchir. J'ai un parachute. Moi, je m'en suis pas servi. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui seront en train de me dire eh, pourquoi tu les utilises pas. Alors, on en est à 1h24 de live. Donc, on va se dire une petite demi-heure et après, je vais. Max. Et après, j'y vais. Placer selon la. Left, c'est gauche. Donc, contrôle. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non. Parce que c'est con que je le mette là si ça j'ai ça, mais là-bas ça veut pas. Orga, transport. Ok. Donc on est d'accord que si je te mets là, apparemment ça devrait aller. Je me mange le mur et apparemment je passe par dessus après. Ensuite, toi, je t'avais branché là-bas. Voilà. On va vérifier. Hein. Hein. Pourquoi tu ne fonctionnes pas? Ah si. Et splash. T'as fait des chocs à pic. Zut, ça ne marche pas. J'aurais voulu proposer un truc pour que ça monte direct. Parce que ça devient chiant de devoir taper à chaque fois des rampes. Pour en avoir que ça. De là, non. Donc, c'est même pas dit que ce soit efficace, même si c'était bien utilisé. Fondation, bah écoute, on va faire d'abord la chiotte rampe des familles. Tourne une petite fonda histoire de déposer le jump, voilà, et tremplin, voilà. Alors, ah, je t'ai pas posé, con. Non, quand on va trop vite, ben oui, je suis devant, cabretier. Voilà, pourquoi? Ouais, c'est bon, oh, de m'emmerder à chaque fois. voilà, du coup. Et c'est bon, ça passe. Bon, c'est un peu long quand on le veut l'installer, mais une fois que c'est installé, ça va me faire gagner quand même pas mal de temps, je pense. Donc, je voudrais faire en sorte que le convoyeur qui arrive là descende là, puis descende là. Ensuite, je pense mettre un petit stockage. Un box de stockage que voici, et juste avant le box de stockage une partie partirait
au générateur à charbon. Donc, je pense descendre jusqu'à au toit qui est là-bas. Ensuite, bah, la plateforme qui est sur le lac qui est juste derrière, qui sera juste derrière, elle n'est pas encore installée, sera l'arrivée. Et donc, bah, il n'y aura plus qu'à préparer le terrain et ensuite raccorder les deux. J'espère juste que de là à là, ça passe. Et que j'ai pas oublié de prendre des plaques. Non, c'est bon, je les ai pas oubliées. Alors, comme ça, au moins, ils sont déjà bien alignés. Et là, du coup, bah, on va vérifier si ça passe. Donc, toi là-bas. Non. La partie haute. Je suis d'en haut, merci. Non. Ouais. Là, 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 là. Non valide. Pourquoi non valide? Trop pentu? Pfff. Chuchote. Ouais, je ferais sans problème ce toboggan, moi. Et pour ceux qui font, oh mon dieu, il a dit chuchote. Donc, cette fois, est-ce que ça passe? Ni, ni, non. Contrôle. T'as décidé de m'emmerder. Si, si. T'es casse-couille. Donc, du coup, on va aller vérifier à quoi ça ressemble déjà là-haut. Puis j'ai pas envie de tout traîner là, là, jusque là, pour aller là-bas. Si je peux économiser de la durée, enfin de la longueur, ce serait pas bête. Ou sinon, je tire jusque là-bas, je descends là, et je descends là-bas. C'est une autre solution. Mais c'est encore un traîner du chemin que je sais même pas s'il irait jusque là-bas. De là, le convoyeur de là jusque là-bas, je sais même pas s'il irait. Et de là-bas jusque là-bas, non, encore moins. Parce que là, pour le moment, Ah oui, pas faux. En fait, ce que je veux, c'est gagner de la distance. Parce que je veux aller là-bas. Salut, Mortel. Passage. En fait, je veux emmener là-bas. Le problème, c'est que si je fais tout droit d'un coup, j'aurai toutes les contraintes que le terrain, lui, de son côté, va m'imposer. Alors que si je fais légèrement en biais, en diagonale, j'arriverai beaucoup plus vite là-bas. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une structure qui est là, qui n'est pas forcément optique pour faire un réseau que je voulais, tel que je voulais le faire. Donc la verticale pourrait être une solution, mais ça pourrait être chiant aussi. Au pire, je le mettrais jusque là-bas. Après, je sais absolument pas jusqu'où je peux le descendre, le machin vertical. Donc je trouverais que j'ai jamais trop travaillé le vertical. Je les utilise dans l'usine, sans plus. On va essayer, hein. Alors toi, jusque là. Ensuite, on va prendre toi. Ah, mais c'est de bas vers le haut, c'est pas de haut vers le bas, non? Si? Il y a un sens. J'ai toujours fait du bas vers le haut. De se faire transiter entre les étages. Apparemment, il n'y a pas de problème de sens. Donc, disons que t'es là. Non, t'es là. Voilà, mais tu vas pas m'emmerder. Sinon, il va falloir que je le travaille depuis le bas. C'est ça le truc. Donc, ce serait de là jusqu'à plus ou moins lui. Donc là.
Disons que si je le monte de là à là. Donc, comme ça. Est-ce que je peux le monter jusqu'à moi? Déjà. Non. Mais peut-être que ça va me faire gagner de la distance. Alors, tac. Jusque là. Et là, ça me dit que non. Parce que c'est trop incliné. Normal, je m'y attendais légèrement, mais je pensais pas que ça montrerait que jusque-là. Peut-être qu'un autre vertical ferait le taf. Ah, ça fait un sacré réseau là que je fais là. Du coup, toi, ouais, même dans ce sens-là, ça passerait pas. Toi, faudrait que je te change. Du coup, toi, tu restes là. Si je te mets ici, ici, non, bah ça a toujours resté trop bas. Enfin, la descente serait trop raide encore. Donc, là. On va faire descendre un petit peu. Et tac. On va éviter de se suicider, hein. Petite question, j'ai le parachute, je viens de le débloquer. Et je sais pas pourquoi je. Enfin, il doit y avoir un bouton pour l'utiliser, j'imagine. Et je ne sais pas du tout c'est lequel. Si t'as une, tu pouvais m'aider, s'il te plaît. On va dire que si tu fais là et un S comme ça sera peut-être moins raide pour toi. Donc, disons, tac, jusqu'à toi. Oh! Salut, Tiamam! Merci pour le raid. Comment ça va? Ouais, tu penses que c'est faisable? D'accord, bah écoute, je vais essayer. Bon, bonjour Tiamam. En tout cas, merci pour le raid. Merci, j'ai cru entendre le follow aussi. Bienvenue. Salut, salut Tiamam. Merci pour le raid. Comment ça va? Oui, au pire, oui, si je mettais ça là. Je le mets par deux cette fois. Ah, c'est quand même du monde pour moi, hein. Je suis nouveau, donc enfin, je suis nouveau. Ça va faire à peu près un mois que je suis sur Twitch. Bah, je vais arriver à un mois là. Donc, pour moi, c'est même deux personnes, c'est énorme. Sinon, ça va, merci. Sur Satisfactory, j'essaye de. Bon, je suis encore en mode découverte du jeu, donc bon, bah. Je tente des trucs, j'essaie de comprendre les interactions entre les objets. Des fois, je me suicide aussi. J'évite de me faire spoiler, si au cas où vous pouvez éviter. Donc bon, j'ai le droit à faire des conneries. Le live a été un peu compliqué au début. Et du coup, pourquoi tu ne veux pas y aller? Pourquoi toi tu ne veux pas y aller? Alors,
Satisfactory, c'est un jeu de. Comment dire? Tu gères des chaînes de production. Voilà. Pour faire simple, c'est ça. Bah, pourtant, il était pour moi dans le bon sens. Si je l'attache, je le raccroche là, il monte. Ok. Oui, donc forcément. Oui, ça a été dur au début. Je te vois que. Surtout que je suis pas un grand connaisseur de la technologie. Il a fallu quand même que je m'adapte. Je suis. Bon, j'ai 37 piges. Je suis pas un grand tech. Enfin. Je suis pas un grand habitué des technologies, pour faire simple. Peut-être trop près. Quand j'ai eu 2-3 potes qui étaient dessus, dont une streameuse, j'en ai vaguement parlé, parce que j'ai dit, bah écoute, j'aime bien ce que tu proposes, j'aime bien ce que c'est, j'aime bien l'environnement qui est autour de Twitch, j'aimerais bien essayer, parce que j'aime bien partager mon gain. Jouer en vocal, jouer avec des potes et partager de temps en temps le temps de jeu qu'on a. En écran partagé, par exemple. Et je me suis dit, bah écoute, tant qu'elle est en écran partagé, pourquoi pas proposer. Je pense que c'est ça tient. D'allier l'utile à l'agréable. Et donc, je suis venu sur Twitch. J'ai commencé par YouTube. J'ai une chaîne qui est tout ce qu'il y a de plus basique. Toute petite. Je cherche pas non plus à me faire d'énormes vues ou que je sois rentable. Hein. C'est absolument pas dans mon délire. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de prendre plaisir. J'adore jouer aux jeux vidéo, de base. Donc autant le partager et autant prendre plaisir, autant. Partageant ce plaisir, voilà. Puis, bah, si au cas où j'arrive à en vivre, bah pourquoi pas. Hein. Mais dans l'optique, c'est pas ça. Ah oui, non, bah, la priorité, c'est plaisir. C'est pas le pognon. C'est pour ça que. Tu penses? D'accord. Ouais, bah je vais essayer. Juste que c'est vrai que le tapis d'en bas, j'aurais préféré quand même. Ça risque d'être chiant. Là, je t'ai raté. On va éviter de se suicider. Merci. Ah non, moi, la base, c'est le jeu. J'aime jouer, j'aime. J'aime me marrer entre potes. Donc, on a toujours. Quand j'ai lancé ma chaîne et j'ai lancé le projet avec des potes, on va avoir quelques personnes autour de moi qui vont peut-être nous rejoindre. Bon, l'idée, c'est de vraiment s'amuser entre potes. J'ai le Discord qui suit ce même concept. Les futurs jeux, ça, enfin projets que j'ai en tête, pareil. Je verrai ensuite au fur et à mesure. J'ai plusieurs projets en tête, je verrai. Pour le moment, je peux pas trop m'avancer parce que, bah, comme tu vois, c'est les débuts. si tu lances, tu dis que je prévois faire ça et que tu le fais pas, bah, t'as les gens qui vont dire que t'es un menteur. Sauf que, bah non, mesdames et messieurs, c'est juste que c'est en fonction de ce que je peux faire. On va faire ça comme ça. Tu me dis qu'il faut que je tire. On va dire comme ça. Tu veux dire quoi? Que je fasse déjà mon réseau en bas, depuis le bas? Ouais, donc comme je te disais, Siamam,
que je pense que ça doit se dire comme ça, Siamam. Attends, je vais remettre le casque correctement. C'est une simulation de chaîne de production. Donc tu vas chercher d'abord les ressources sous forme de filon que tu vas traiter au début manuellement pour avoir ensuite des plaques de métal, des tiges, des vis. Ensuite, tu vas mettre des machines qui vont automatiser tout ça. Et plus tu vas aller loin, plus tu auras besoin de très grosses quantités que toi-même tu peux pas traiter. Tu es obligé de faire traiter par des machines. Et en partant de là, bah, tu vas créer une usine de plus en plus grande, de plus en plus complexe. Et ça va jouer sur l'idée du casse-tête aussi. Parce qu'au début, tu vas dire, bon, bah voilà, j'ai un filon de fer, j'ai une fonderie, tac, je tire. Mais à un moment donné, tu vas te dire, ouais, mais je produis plus de minerais de fer que ce que je fonds. Donc, il va falloir que je produise, enfin, que je tire de ce même filon plusieurs chemins pour aller à plusieurs fonderies. Et ainsi de suite. Et ce même concept, tu dois l'avoir sur toute ta chaîne de production. Tu as un certain nombre de jalons. Donc c'est des commandes de livraison qui ont été données par je crois qu'il y a un espèce de satellite ou une base spatiale qui est au sommet de cette tour qui demande des ressources. Donc toi ton côté, ce que tu fais, c'est entre chaque jalon, il te demande des trucs, tu les envoies, il te donne en échange de nouvelles technologies. Et à chaque palier de jeu, tu as une grosse commande à envoyer depuis cet ascenseur spatial. Et cette grosse commande, ben, elle est quand même assez conséquente. Donc, tu es obligé quand même de calculer comment le faire. Donc, tu as beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de choses à anticiper. Alors, tu as deux méthodes. Celle de demander aux potes de te dire, bah voilà, combien il faudrait de trucs, dis-moi qu'est-ce que je faudrait que je fasse, dis-moi si que j'anticipe. Et t'en as d'autres qui sont comme un peu comme moi, qui aiment bien apprendre sur le tas. Ce qui fait que je demande un minimum de spoil. On m'a raconté que à partir du moment que j'avais du charbon, il y aurait un événement un peu particulier. Je veux pas avoir cet événement. Je veux pas savoir c'est quoi l'événement. Je veux, si au cas où l'événement me pète la base, ça va me péter la base. Je sais pas du tout à quoi m'en tenir, quoi. Et ça sera comme ça avec tous les jeux que je fais. Je demande le minimum de spoil, si c'est pas le zéro spoil, pour pouvoir prendre plaisir quand même du jeu. Que, mine de rien, pour moi le jeu est quand même jeu vidéo est pour moi un plaisir. Donc si je me retire ce plaisir, ça va me faire vite chier. Désolé de la manière dont je le dis. Ça déjà ça va virer. Non, trop loin. Attends. Tu me dis pose un tapis en bas et convoyeur après ça. Donc il faudra. Cuicui. Aïe. Donc tu me dis qu'il faudrait que je fasse d'abord un convoyeur et ensuite je mets le truc vertical, c'est ça hein? Bon, cuicui. Je crois que j'ai entendu que j'ai utilisé le... Et il est passé où? J'avais 5 parachutes et j'en ai plus un seul là. Ok. Donc, disons que j'ai mon convoyeur, sauf que lui, mon convoyeur, il demande un pylône. Voilà, comme ça, ce sera propre. Non. Juste ça devra suffire. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ça. Je fais le plus haut possible.
Voilà. De ce que j'ai compris, c'est ça. Donc là, du coup, bah non, ça va toujours dans le mauvais sens. Mais en fait, le truc, c'est que moi, la zone d'arrivée, là où il y a le... Il y aura les générateurs à charbon, ce seront là-bas. J'ai pas encore fait ça. Au moment, je suis en train de tirer mon réseau. Donc, je vais bien voir. Hein. Sinon, en soi, ça me dérange pas de très tirer. Hein, L'inconvénient après du vertical, c'est que je peux pas avoir un multiple de à plusieurs convoyeurs qui suivent. Alors j'espère que la musique n'est pas trop forte. La tête est là. En fait, je pourrais très bien faire ça après. Ah non, c'est toujours le mauvais sens. Bon, écoute, ça prend le chou. Je vais faire la bonne vieille méthode du tir. Et ce que je vais faire, c'est que ça va aller là. Tac, tac, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai vu que j'avais du charbon par là-bas aussi. Donc en anticipant, ça me permettra de rassembler les deux réseaux en même temps. En même temps, voilà. Alors, tac. Salut! On peut pas me dire, c'est bien long là, merde. Du coup. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'intérieur de l'usine quand même. J'avance juste ici pour histoire de pas remonter, faire des allers-retours pour rien. Mais là déjà tu vois un peu à quoi ça ressemble. Au début de ce convoi, j'ai du charbon. J'ai un petit filon de charbon qui est à peu près par là-bas, de mémoire. Ouais, il est là. Tu vois le petit bip qui est apparu là-haut. C'est mon filon de charbon. J'ai amené le filon de. Plutôt par là-bas. Mais comme c'est parti, c'est plus par là-bas. J'ai posé une foreuse pour extraire le charbon qui est convoyé tout là et qui arrivera là-bas. Je vais mettre une plateforme au-dessus de l'eau pour pouvoir exploiter, enfin extraire de l'eau pour refroidir les machines qui travaillent avec le charbon. Avec donc. Va falloir que j'anticipe tout ça. Et je sais pas du tout à quoi ça ressemblait. On va mettre. Ça aussi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer dans le jeu. Voilà, j'en profite pour récupérer ce que j'ai besoin. Ça. Voilà. Ça. J'ai l'impression de voir du Trackmania. Des trucs qui volent en l'air et bah, c'est logique. On est dans un jeu vidéo donc logique pas forcément nécessaire mais bon ça fait quand même toujours marrer. Voilà. Immortel au cas où si tu te posais la question si t'es encore là. Pourquoi je pose plusieurs lits pylônes? C'est pour pouvoir anticiper des futurs filons. Si je trouve par exemple un filon de métal, j'aimerais éviter de faire de multiples chemins dans tous les sens. Autant que ce soit propre. On va éviter de se péter à la gueule. Maintenant, on va rejoindre là-bas.
C'est pour ça que d'un autre côté, la verticale ne m'arrange pas forcément. Je vais éviter d'aller trop vite parce qu'à chaque fois, je saute par-dessus. Ah, normalement, le charbon ne devrait pas tarder. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que je ne le vois toujours pas. Donc, je dois mettre à terre à un moment donné. Sinon, Siamam, tu fais quoi en stream? Parce que j'ai. Oups. Radiation. Tu live sur quoi? Que tout à l'heure, je viendrai en rendre l'abonnement. À manger, à manger, à manger. Un endroit où je me suis raté et je sais pas c'est où. Je vois que le réseau fonctionne de base. J'ai pas une surcharge. Je me souviens pas avoir supprimé. Aïe. S'il te plaît. Non, non. Ça veut pas. Non, non. Il y a un problème sur le réseau électrique. Allez, j'ai que dalle. L'électricité, il vient pas jusque là, je crois. Enfin, ça va pas, je crois, si j'en suis sûr. Je vais récupérer un peu de bois, histoire de faire de la biomasse. On déboise tout. Nique la nature! On vient d'arriver et bien évidemment la seule chose qu'on fait c'est tout niquer. J'ai des feuilles, j'ai quelques fleurs. J'ai pas beaucoup de bois par contre. Ah si, ça commence à venir. Alors le bois sert de biocombustible. Donc pour les générateurs qui utilisent cette de carburant qui brûle, mais c'est limité. Pour donner, pour montrer un peu les chiffres, enfin, c'est là. Voilà. Un brûleur de biomasse me produit 30 mégawatts à chaque fois. C'est de la, c'est en continu. Du moment que je mets dedans le combustible, ça tourne en continu. Et le charbon 75. Donc en fait, un truc d'un générateur de charbon à charbon me produit deux fois plus d'énergie qu'un brûleur de biomasse. En sachant que bah, le brûleur de biomasse, comme c'est marqué dans son truc, où je mets le carburant. Là, il y a une chaîne de production qui va intégralement tout donner dedans. Donc en fait, j'ai absolument pas besoin de m'en occuper une fois que c'est fait. Donc il y a quand même un avantage. Il y a un intérêt à chercher le chat, pardon, le charbon. Toujours pas. C'est à quel moment que je me suis retrouvé avec
0. Carbu, enfin courant. Sympa celle-là. Je pense que oui, c'est de là à la maison. Ça me revient. J'ai oublié de. Invitation au suicide. Voilà. On va éviter quand même. C'est bien la vie. J'aime vivre. Hop. Ensuite, on va essayer de. Va mettre d'autres fondations. Là, ouais. J'espère que c'est bon. Ça me permettra de faire sortir le réseau charbon autre que là-dedans. Parce que j'ai pas trop envie non plus que ça à comble tout ce que j'ai là-dedans. Donc, toi, là-bas. Voilà. En tout cas, c'est cool, les gars. Vous êtes venus. Vous avez. Franchement, sympa. Là-bas, ça va être trop court. Donc, on va continuer à descendre. Et qui sait, je vais peut-être croiser un filon par là-bas. Alors, je le dis pas, hein. C'est évident. C'est un travail de merde que je fais. Un petit piège avec ses échelles. Le gars, il est tellement rapide que quand tu montes sur l'échelle, tu te retrouves de suite de l'autre côté de du truc. Donc tu te pètes les guibolles avant même de. Enfin, tu touches jamais au tapis si tu fais pas gaffe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme filon ici? Rien. Hein. Donc maintenant, là-bas. On tourne légèrement. On va lui donner un peu de hauteur. Ce qui est dingue, c'est qu'ils mettent une logique avec les convoyeurs, mais des fondations qui volent dans l'air, il n'y a pas de logique. On lobby cette logique. Voilà. Et là. On n'est pas si loin de la zone d'intérêt de cette chaîne de production. Voilà. Là, on va éviter de se péter encore la jambe. Non, on se pète pas la jambe, hein, c'est juste une façon de parler. Voilà. Ensuite, bon, on va descendre, ça va rester là-haut. Donc si je te mets là, et toi, là. Jusque là.
toi jusque là. On va éviter de se péter encore la jambe. Ah, on va éviter tout le temps le suicide. Même si c'est marrant à regarder, c'est chiant à vivre. Là, je parle pas du suicide, hein. Je parle d'enjeu. Donc. À certains qui vont se dire putain ton réseau est tout bidon, tout bidon, tout dégueu. Eh bah. Voilà. Alors, hop. Je crois que c'est bon. Du coup, on est quasiment arrivé à la maison. Voilà. Ah, de là. Alors maintenant, j'aimerais commencer à tirer un petit peu. Pardon. Le réseau que j'ai mis là. Au restant du réseau. Aïe 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 aïe. Ah, je pensais pouvoir monter sur le bâtiment. Ça. Par contre, le gars, bon, il est super rapide pour grimper, mais il est super lent pour courir. Mec, ça, là, là, là-bas. Alors, là-bas, ça m'étonnerait. Plutôt mettre un poteau ici. Voilà. Ici. Et ici. Voilà, à partir de là, normalement, mon réseau fournit d'électricité. Enfin, mon réseau électrique, pardon. Fournit du courant à ma foreuse qui est sûrement en train de travailler actuellement. Je parle de travailler pendant que je joue. Hein. Bizarre. Et moi de mon côté, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir proposer une zone de stockage à mon charbon. Du coup, je pourrais sauter là sans trop me péter la jambe. Logistique, des pylônes. Le précédent est pas bien loin, mais bon. Voilà. Et maintenant. Ah, c'est bon. Là. Ça, là-haut. Ici. Alors, dans la suite de l'épisode, parce que je pense que je vais arrêter. Il est quand même 5h30, bientôt. Je n'habite pas tout seul à la maison, donc bon. J'ai pas envie non plus de marcher sur les orteils pour éviter de faire du bruit. Alors, prochain live, je vais recouvrir ce lac. Enfin, c'est plus un étang qu'autre chose, un marais. Un étang, pardon. Une grande plateforme. Dessus, je vais y mettre au fur et à mesure de mes disponibilités un générateur à charbon. Qui me demandera aussi un pipeline, donc en gros un système de refroidissement
à l'eau. Donc ce système de refroidissement va être prélevé directement dans le lac qui sera en dessous. C'est l'idée. Je me dis que ce soir, normalement, ça va être du... J'ai vérifié parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait ce soir. Je crois que c'est du Planetzoo. Je crois que ce soir je suis sur du Planetzoo. Je confirme ça. Non, ça va aussi du Satisfactory soir. Donc bah, ce soir je continuerai ça. Donc je niquerai encore plus la nature en recouvrant ici de plateformes. Enfin de plafond comme celui-ci. En mode extra large. Hein. Ça, je pense vraiment recouvrir la totalité de la structure. Mmh. Merci pour le follow. Un 5. Merci pour le follow. Ou 1-1-1-1-1-5. Mais ça fait bizarre. Merci beaucoup pour le follow. J'allais déco là, donc t'arrives un peu après la bataille. Donc ce soir, je démarre mon système électrique au charbon. Donc grande plateforme ici. Générateur à charbon. Un endroit pour stocker un peu de charbon aussi, parce que je vais en avoir besoin pour l'acier. Et éventuellement anticiper des besoins pour agrandir le réseau que j'ai ici de construction. Donc là, je vais prendre juste 2-3 minutes pour montrer un petit peu à quoi ressemble un système de farm. Pour ceux qui connaissent pas le jeu. Alors, ça, c'est du fer pur. C'est la première ressource qu'on farm dans le jeu. Je lui ai mis un système d'électrique qui part depuis mon hub, qui ensuite va dans ma fonderie pour fabriquer des lingots, qui va ensuite dans un constructeur pour fabriquer, bon bah là c'est du cuivre. Donc au début de la chaîne, en général on a deux ressources qui sont disponibles, c'est soit des tiges, soit des plaques. Donc j'en ai deux, trois de chaque. Donc comme on voit, ces trois là c'est pour les tiges. Il y en a deux qui vont directement être traités pour faire des vis, un qui va être traité directement pour un autre qui va être envoyé directement en stockage pour en garder un peu de côté. Ensuite j'ai des plaques ici, certaines vont être traitées pour devenir des plaques renforcées et d'autres vont être envoyées pour le stockage qui est ici. Ensuite ça monte là et c'est la partie en haut sert d'assemblage. Donc tu as deux composants, donc là par exemple vis et plaques qui rentrent dans une seule machine pour faire des plaques renforcées. Et vu que là-haut il y a besoin de beaucoup de vis, j'ai au moins deux convoyeurs verticaux qui montent fournir en vis, mais j'ai je crois quatre constructeurs qui convoient jusqu'ici et j'ai quand même une petite quantité qui partent dans les stockages histoire d'anticiper les besoins futurs par exemple pour une autre construction. C'est pas impossible que j'ai besoin d'une nouvelle chaîne de production. Donc dans l'idée de ce soir, ça va être le lac recouvert pour faire le réseau d'électrique en partant du charbon et peut-être agrandir le réseau qui est là. Voilà. Et peut-être trouver d'autres ressources un petit peu ailleurs
pour explorer la map. Je vous fais des bisous. Merci de vous être abonné, d'être passé. À la prochaine. À ce soir au minimum.